avec vous autres. Ouais, fait que. Où c'est que j'en étais? Ah oui, ben, la tâche de gars de mère. Fait que vous avez voté. J'ai hâte de voir c'est qui va sortir. C'est certain que. En autant que ça puisse m'aider dans le jeu. C'est ça qui est important. J'essaie des fois de me questionner, regarder. Vous savez, regarder, voir. Bon, c'est qui peut avoir de la visibilité, c'est qui peut avoir de la force. Qui est appelé au confessionnal souvent, qui. Bref, sur qui l'enfance peut être mis dans le jeu. J'observe beaucoup ça. Je peux me tromper dans mes analyses, par exemple. Mais c'est sûr que cette semaine, David a gagné beaucoup de choses, mais je sais pas si ça joue vraiment entre lui et Hugues ou si vraiment c'est beaucoup plus partagé que ça ne l'a l'air. Hugues a tellement pas eu l'emphase mise sur lui cette semaine, Hugues a rien eu. Fait que moi, à mes yeux, ça regarde mal. Moi, je regarde ça puis je fais comme, oh boy, Hugues a pas rien eu cette semaine. Ça, c'est tough, c'est plus hard un peu. De voir vos choix demain. C'est certain que j'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'ai toujours hâte aussi de savoir bon, quel genre de vote ça va être, s'il va y avoir une twist, s'il va y avoir de quoi de spécial. Ça, c'est sûr, c'est toujours quelque chose qui me passionne, que j'ai hâte de savoir. Hâte de participer, hâte de voir si moi je peux faire de quoi, si je peux déjouer des plans, si je peux travailler là-dedans. Parce que maintenant, j'avoue, ça n'a pas été super fructueux tout le temps, là, mais en tout cas, je me donne quand même à fond. En tout cas, j'essaie. Mais oui, c'était hier. Ouais, c'était hier. C'est-tu hier? Non, hier, c'était la. Non, c'était le party qui a mal viré. Quoi que je vous ai jasé pendant un petit bout. En tout cas, vous avez dit que j'allais arrêter de me ronger les doigts. C'est pas parfait encore. Ça m'arrive de me frapper ses doigts, mais regardez, c'est quand même pas si mal à date. Une habitude que j'essaie de perdre. C'est une petite que j'ai gardée depuis le Love 4, puis ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. En tout cas, là, j'ai des ongles qui ont plus d'allure un peu. Les pouces, ils souffrent un peu, là. Mais bon, bref. N'oubliez pas, si vous avez si vous vous êtes pris des résolutions en même temps que moi pour arrêter de vous ronger les doigts, manger plus santé, arrêter de fumer, je trouve. Perdre un tic nerveux, venez la voir. En tout cas, j'espère que vous faites une belle progression, un peu comme moi. Fait que, mais comme je dis, ben, c'est pas parfait. Mais on a encore à peu près 22 jours pour y arriver. Fait qu'on lâche pas. On se donne un petit coup de pied aux fesses, puis on y va. Cette semaine. C'est sûr que dépendamment du type de ballottage, de combien qui sont immunisés, est-ce que moi je vais être immunisé? C'est toujours une grosse question, ça. Certain que mon but premier, ce serait d'éliminer Alexandra. En tout cas, dans les plantes, là, on s'entend. Alexandra qui est encore à soi, elle pose des commentaires. Oh, les mignons, ben, plate! Est-ce que vous comprenez de quoi jusqu'à maintenant? Oui, on comprend de quoi. C'est toi qui es complètement dans le champ. Tu sais, à un moment donné. Ah non, il y a. Des fois, je me pose vraiment la question s'il y a un cerveau en arrière de cette tête-là.
Vous savez, j'écœurais beaucoup Elodie dans ma saison, mais tu sais, elle était capable de sortir quand même des trucs intelligents. Tu sais, il y avait certaines affaires qui étaient fun avec Elodie, que dans mes conversations, quand je l'ai piqué ou quelque chose, Alessandra, elle est tellement un gros zéro en tant que tel, que même si je dis quoi, ça n'a aucun impact. Soit qu'elle comprendra pas, soit qu'elle réagira pas, ou si elle réagit, elle va m'emmener quelque chose de complètement hors contexte. Fait qu'il est où le fun? J'en ai pas de rire, tu sais, de parler à Alexandra. Hey, écoute. Je pense que dans mes années de solitude où je parlais avec mes murs étaient beaucoup plus intéressants qu'elle. J'avais des conversations bien plus hautes avec mes murs chez nous.